Rondelle revient devant, mais pas, on n'est pas en mesure de prendre un tir, là, c'était Fontaine. Attention, là, encore une fois, c'est Côté qui s'amène seul. Côté tire. Oh, a tenté la même fête. Oh, ça réussit encore une fois entre les jambières du gardien de but, Kyle Hagan. Je croyais qu'il avait effectué l'arrêt là-dessus. Même jeu, copier-coller. Côté s'échappe. Envoie ça entre les jambières du gardien de but, Hagan. 2-0 déjà pour les voltigeurs de Drummondville. Donc on mentionnait que... Gros, mais il envoie tout de même en direction de Perron. Perron remet dans la clave à Blue Rush, qui a d'espace, son tir est bloqué. Et le gardien de but des voltigeurs qui ne donnera pas d'autre retour finalement. Mercer qui met la mitaine sur cette rondelle. Lafond s'amène en territoire offensif. Attention, la rondelle revient devant, bloquée par le gardien de but Hagan. Attention, la passe qui rate encore une fois. Lafond prend un tir et le but. 3-0 pour les voltigeurs de Drummondville. On a encore une fois cafouillé alors qu'à deux reprises, on a été en mesure de reprendre la rondelle chez les joueurs des Huskies, mais on envoie tout simplement la rondelle devant sans trop vérifier et ça a donné un autre but aux voltigeurs de Drummondville. C'est une catastrophe pour l'instant, ce début de saison. On laisse beaucoup d'espace en zone défensive aux voltigeurs du côté des Huskies présentement. On voit des jeux où on en parlait tout à l'heure, le momentum du gardien de but Mercer, c'est Woodworth et Turcotte qui sont là à la mise en jeu. Turcotte qui remporte la mise en jeu, Zenon va remettre à Carr. Carr prend l'espace, prend un tir et le but! Alex Carr qui prend un tir, arrache la glace et surprend le gardien de but Mercer qui a semblé être surpris par le tir parce que c'était pas un tir très dangereux, arrache la glace. Non, mais les Huskies essayent des tirs-passes depuis tantôt. D'y croire et de revenir dans le match. On verra par la suite, mais on en avait besoin là, du côté des joueurs des Huskies. Alex Carr inscrit. Wayne Arada au pointage. 3-1 en faveur des voltigeurs de Drummondville, alors qu'on vient de voir la reprise. Je pense que la rondelle a dévié. Véro qui a la rondelle au cercle droit. Véro tente une passe de l'autre côté. C'est réussi. Le tir. Oh, ça rate. Bloqué par le gardien de but. Revient devant. Oh! Lochko n'est pas en mesure de marquer, malheureusement. Et attention, Woodward s'échappe. Woodward s'amène à droite. Tire. Rate le filet. Lochko va reprendre au retour. On va reprendre en zone centrale alors que Lochko et Gauthier ont quelques mots tendres à s'échanger. Il est en mesure là tout de même de faire une passe avec son patin. Ça permet à Zenon de reprendre derrière. Finalement, il va d'une passe à Godet à la ligne bleue, à Carr de l'autre côté. Carr prend un tir, c'est David devant. Oh, quel arrêt! Et le but finalement! Thomas Verdon qui marque sur son deuxième retour. 3-2 pour les voltigeurs de Drummondville. Et les Huskies en plus vont bénéficier d'un avantage numérique à venir. Pointage, les Huskies sont de retour dans ce match. En parlant de Thomas, justement, on va l'avoir là, pour quelques questions entre la première et la deuxième période. C'est parfait, il aura plus de choses à dire. Thomas Verdon là, qui redonne un second souffle à son équipe. Alors malheureusement, du côté de Verdon, ça rate. Attention, 2-1. Là. C'est Goyette qui est avec Landry. Goyette tire, c'est bloqué par le gardien de but. Hagan, arrêt important là-dessus. Là. Tout de même maintient l'attaque. Carr qui remet à Blue Rush vers Véro. Véro maintenant remet devant Fontaine. Le tir et le retour. Oh! Oh, quel arrêt de Mercer! Lochko qui a pris un tir dans le haut du filet sur le retour et Mercer a sorti la mitaine. Incroyable! Tout de suite. C'est un highlight, c'est sûr. On voit la reprise justement ici. Là, on voit le tir de Lochko directement dans la mitaine. Et il n'a pas tir. Carr qui rate le filet malheureusement. Véro maintenant toujours avec la rondelle. Toujours Véro. Envoie vers Perron au cercle gauche. Perron passe devant, c'est avant le but! La passe de Perron a dévié sur le défenseur des voltigeurs et ça s'est retrouvé directement dans le haut du filet. 3-3, les Huskies égalisent le pointage. Je rappelle, ici à l'Arena Glencore, les voltigeurs de Drummondville ont pris les devants 3-0, alors que les Huskies viennent de répliquer avec 3 buts consécutifs. Gauthier prend de la vitesse au centre, s'amène à droite. Belle passe derrière à Woodward qui remet devant Thomas. Bel arrêt là-dessus, Hagan. Il y aura une pénalité qui va être rappelée, d'ailleurs, qui est à retardement. Je crois que c'est Mathis Perron qui va être... La meilleure occasion, certainement, des voltigeurs de Drummondville en deuxième période. Là, Kyle Hagan a réalisé un bel arrêt là-dessus. Il a l'air plus confiant devant le filet présentement. Effectivement, ça se passe bien pour lui, là, qui, au début du match, a dû faire face rapidement à deux échappées. C'est une action comme ça et que rapidement, il y a une occasion de marquer en or qui se présente. Ouais, mais tu sais, la première arrêt, c'est un arrêt qui était difficile à faire en deuxième période.
Alors qu'on voit le prendre de la vitesse, c'est Gauthier qui s'amène avec beaucoup de vitesse. Attention, Gauthier s'amène devant seul. Hagen qui réalise l'arrêt ne donnera pas de retour. Oh, beau jeu d'Hagen, alors que Gauthier, c'est le Verdon qui fait dévier la rondelle. Ah, mais... Brunet, je pense qu'il cherche quelque chose. Oh, attention! Oh, l'arrêt encore une fois! Alors qu'on a cafouillé là, du côté des voltigeurs de Drummondville. On s'est retrouvé complètement. Ça mène à gauche. Verdon va loin vers la gauche. Finalement, revient devant. Prend une feinte et tire. Oh, il a Verdon qui a raté là, malheureusement sa feinte. Est-ce que le but aurait été bon? Bien, arrêter les patins. Il aurait peut-être eu. C'était serré. On a vu Verdon en fait arrêter complètement. Personne n'a marqué pour l'instant. Fontaine aussi s'amène par la gauche. Toujours Fontaine. Fontaine prend un tir entre les jambières et le but! Les Huskies qui prennent les devants 1-0 dans cette séance de tir de barrage. Louis-Philippe Fontaine qui marque. A surpris Mercer entre les jambières. Tir de barrage. J'ai l'impression que les joueurs essayent tous la fin. Justin Côté qui a deux buts dans ce match. C'est lui qui s'amène. S'amène devant Hagen. Côté prend bien son temps. Prend un tir. Belle arrête de la vitesse! Kyle Hagen dit non! Oh, quel arrêt d'Hagen là-dessus! Kyle Hagen est gros dans le filet là, présentement. Là. Oui, effectivement, là, je pense que Luke Woodward, est-ce qu'il pourra garder son équipe dans le match? Woodward s'amène à gauche. Toujours Woodward prend un tir bloqué par Kyle Hagen. Victoire des Huskies, 4-3 face aux voltigeurs de Drummondville. Il ne faudrait pas le blesser par contre. Oui, alors que dans les célébrations, là, Kyle Hagen a chuté là, alors que d'autres joueurs lui ont sauté dans les bras. Effectivement, Kyle Hagen, intraitable en tir de fusillade. Belle victoire, la première de la saison pour les Huskies.